L'affaire était dans les tuyaux depuis décembre dernier, elle a été officialisée ce jeudi. João Moutinho et l'AS Monaco ont décidé de poursuivre leur aventure commune jusqu'en 2020, prolongeant ainsi de 2 années l'ancien contrat du Portugais qui expirait initialement en juin prochain. Une bonne nouvelle pour l'ASM à l'aube d'un mercato d'été qui pourrait être marqué par le départ de plusieurs cadres, dont notamment celui de son milieu défensif brésilien Fabinho. À ses côtés, ou dans un rôle plus offensif, João Moutinho a disputé 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, profitant notamment du départ de Thiago et Bakayoko à Chelsea pour retrouver sa place de titulaire perdue la saison passée. Guillemets double. Un exemple pour nos jeunes, je me sens très bien à Monaco, je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour aider l'AS Monaco à atteindre ses objectifs, a réagi sur le site de son club l'international portugais, arrivé sur le rocher en 2013 en même temps que Radamel Falcao ou encore James Rodriguez. C'est un exemple pour nos jeunes joueurs sur le terrain mais également en dehors. En contribuant aux résultats sportifs exceptionnels de ses 5 dernières saisons, João s'est imposé comme un joueur cadre. Cette prolongation permet au club de consolider son effectif pour l'avenir, c'est lui féliciter Vadim Vasiliev, vice-président de l'ASM, João Moutinho et Radamel Falcao Gatima.